notamment pour les lentilles progressives. C'est-à-dire que quand tu veux mettre un œil de loin et un œil de près, pour faire une bascule ou pour mettre une adaptation en vision simultanée en lentille de contact progressive, il faut savoir quel œil tu mets de loin, quel œil tu mets de près. Pour ça, tu mets les compensations théoriques de vision de loin, donc tes compensations parfaites, et tu prends des sphères de plus 0,75. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tu fixes là-bas, il y a écrit quoi ? D1VHR. Parfait. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer alternativement, comme ceci, des sphères de plus 0,75 devant les yeux. Avec quel œil vous êtes le moins gêné ? Avec le gauche. Ici, vous êtes moins gêné. Ouais. Donc ça veut dire que c'est ton œil qui accepte le mieux l'addition, qui accepte le mieux les 0,75, donc c'est lui qu'on va mettre en vision de près, puisque c'est lui qui accepte le mieux l'addition. D'accord. Donc œil droit de loin et gauche de près. Ça marche ? Ok. Alors ici, qu'est-ce que vous lisez en face là-bas ? Des lettres. Ouais, lisez. D-O-V-H-R. Parfait, je vais passer des sphères devant les yeux. Vous allez me dire avec quel œil vous êtes le moins gêné. Ici ou ici ? Moins gêné. Là, vous êtes moins gêné avec l'œil droit. Ouais. Donc l'œil droit, c'est celui qui accepte le mieux le convex. Donc c'est lui qu'on va mettre en vision de près. Donc l'œil droit de près et gauche. Donc nier sur l'œil droit et distance sur l'œil gauche. Ok. Donc pareil, porte les compensations parfaites. Vous lisez la ligne des lettres là-bas. C'est pas zéro. Parfait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais placer des sphères alternativement devant vos yeux et la vision va se troubler. Est-ce que vous êtes au moins gêné ? Ici ou ici ? Ici ou ici ? Il y en a un qui vous gêne le moins ou pas du tout ? Pas du tout. Ok, donc ça veut dire qu'on va utiliser un autre test pour tester l'œil dominant, notamment pourquoi pas le test du filtre rouge. Donc tu vois. Allez-y, mettez le filtre sur l'œil droit. Allez-y. Combien de points voyez-vous ? De quelle couleur est-il ? Rouge, blanc ou rosé ? Il est rouge. Rouge. Il est plus rouge là ou là ? Là. Parfait. Mettez le filtre sur l'autre œil. Combien de points voyez-vous ? De quelle couleur est-il ? Rouge, blanc ou rosé ? Tout blanc. Tout blanc. Oui. Parfait. Plus blanc là ou là ? Là. Bien sûr. Ce qui veut dire que là, par contre, c'est son œil droit qui est dominant en vision de loin. Donc si on met des lentilles progressives, on mettra l'œil droit de loin et l'œil gauche de près. Tu comprends ? Donc si tu as... on te met avec des sphères de plus 0,75, plus 0,75. Donc on a essayé de créer une dissociation, de le tester en créant des tâches de diffusion, donc des flous, avec des sphères de plus 0,75 alternativement. Mais la différence, elle n'y est pas. Tu ne vois pas de différence. Ouais, c'est pareil. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas conclure à l'œil dominant de vision de loin grâce à ce test-là. Et avec les sphères de plus 0,75, si j'avais eu un flou sur les droits, ça aurait été le droit dominant du coup ? Non, les sphères de plus 0,75, si tu vois plus... on demande quel est l'œil qui le gêne le moins. Ouais. Si tu es moins gêné avec l'œil droit, par exemple, avec la sphère, La sphère de plus 0,75, si tu es moins gêné, ça veut dire que le flou que j'entraîne sur l'œil droit avec du positif te gêne moins sur l'œil droit. D'accord, okay. Ce qui veut dire que l'œil droit accepte le mieux le convexe. Ce qui veut dire que ça va être plutôt celui-ci qu'on va choisir pour mettre en vision de près, pour mettre l'addition. D'accord. Pour le presbyte. Comme il préfère. Comme il est moins gêné comme avec des sphères gêné, positives. Il préférera plus en VP du coup. Voilà.